Donc, bienvenue sur la chaîne. Donc, moi, c'est Alexandra, je ne me présente plus. Tu te présentes ou je te présente? Tu me présentes. Voilà mon cher époux, Dominique. Donc, aujourd'hui, on vient parce qu'on va faire bébé. On va un peu leur raconter. On va leur raconter comment moi, je t'ai fait la cour, en fait. Notre départ. Ouais, c'est ça. Donc, vas-y. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Oui. Qu'on était actifs sur un site de rencontre. Non, on ne fait pas de publicité. On je passais à travers les profils et éventuellement, je suis tombé sur le profil d'Alexandra. Là, j'ai fait mais j'ai pas osé lui écrire. Alors, je l'ai mise dans mes favoris. Et là, ça a pris combien de temps? C'est la même journée. C'est la même journée, un peu plus tard. Donc, moi, je viens là, c'est là parce que l'application me donner des notifications, en fait, quand je recevais des messages, machin. Oh mon Dieu, j'ai tellement reçu des messages. Bref, là, je vois... Oh, c'était quoi ton nom déjà dessus? C'est pas important. OK, bref. Moi, je m'en rappelle, mais c'est pas important. Je vois que lui, oui, il a regardé votre profil, puis tu m'as mis dans les favoris. Dans mes favoris. Là, je m'en vais dans les messages, je dis, oh, monsieur, s'il ne m'écrit pas, il m'a mis dans les favoris. Donc, moi, je m'en vais le DM. Qu'est-ce que je te dis? Je te dis un coucou? Non, c'est pas juste coucou, c'était pourquoi tu m'as... Ça, hein, on peut résumer ça. Pourquoi tu m'as mis dans mes favoris, mais tu m'as pas écrit, dans tes favoris, mais tu m'as pas écrit. OK. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? On a jasé, on a discuté. C'est à peu près... Ça devait être en milieu de semaine que c'est arrivé. Ouais, c'était en milieu de semaine. Je pense que c'était en mardi ou en mercredi. En tout cas, c'était vraiment en milieu de semaine. Là, à force de discuter, on a dit on pourrait se rencontrer. Là, moi, j'avais quelque chose déjà à l'horaire. J'espère que l'horaire, là, ne regardera jamais la vidéo. Hein. Donc, oui, on a parlé. Et je crois que c'est le jeudi soir qu'on est tombé d'accord que... Je ne me souviens pas à date. En tout cas, on n'a pas... On recommencera dans un instant. D'accord. Donc, oui, tu avais autre chose de prévu à l'horaire. Ouais. Donc, finalement, on tombe d'accord, puis nanana. Moi, je me souviens, j'ai voyagé, je suis venue un samedi. Un samedi, dans l'après-midi, je suis arrivée. Ça pouvait dire mon truc, ça devait être samedi soir. Oui, parce que j'ai pris la route à 9-10 heures, donc bref. Je suis venue, j'ai fait 2 heures de route, nanana. Tu m'avais dit de venir avec un maillot de bain. Oui, parce qu'on allait chez mon ami Pierre-Olivier, puis avec mon frère, puis les parents de Pierre-Olivier étaient là aussi. On s'est bien régalé. D'ailleurs, ce soir-là, on a bouffé du poulet. Donc, premier rendez-vous, like, maillot de bain. Oui. Très smart. Oui, mais c'était pas... Il n'y avait rien de vulgaire. C'était qu'il y avait un sport. Est-ce que j'ai dit que c'était vulgaire? Ah, mais t'es là, très smart. Je veux juste dire... Mais qu'est-ce que tu avais prévu avec l'horaire? C'était pas... Ah non, laisse faire. Non, on a... Au montage. D'accord, mais on n'a rien dit. Non, tu ne mets pas au montage. C'est après ce week-end-là, là, enfin, est-ce qu'on on s'est jamais dit est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on n'est pas ensemble? On a juste commencé, right? Ouais, on a commencé, puis toi, surtout, tu m'as dit quelques temps après que le soir où on avait été chez Pierre-Olivier, tu avais flingué l'appli de ton téléphone. Ah oui, oui. Tu avais défait ton profil. Oui. Donc, toi, tu n'as pas... Pas de suite, pas non. Tout de suite. Je ne me rappelle pas rien. Pourquoi d'ailleurs? Je ne sais pas. Donc, voilà. Puis on après... est marié comme un enfant maintenant. On s'en fout maintenant de ce qui s'est passé il y a oui, 2 ans. Oui, c'est ça, c'est ce que tu dis. Je peux venir te faire des procès. Comment on dit ça? Comment on dit non pour entrer dans la... C'est ça, voilà. C'est ça, tu dois m'aider à trouver mes mots. Donc, je sais, mais je vais te laisser un peu ramener devant ton auditoire. Ben, comment ça, mon auditoire? C'est la chaîne si je suis aussi neveu que toi. Hein? Donc, ouais, c'est pas grave, ça va être ton auditoire, ça sera pas le mien, la chaîne porte ton nom. Ah oui, c'est vrai. Il y a une partie du mien. C'est vrai. Donc, lui, là, on a commencé, puis c'est que je venais quand même tous les week-ends, hein? Même pas que... Ouais, je venais tous les week-ends. Ouais, puis chauffant ta rire pour venir me voir, d'ailleurs. Si, en tout cas, si j'aurais eu une contravention, on aurait splitté la contravention à deux. Parce que franchement, je faisais du... Ça a fait des contraventions au 1 000 $ que tu aurais eu. Ça, je faisais du plus que 120 $. Non, tu faisais 160, que tu me disais. Bon, anyway. Mais en même temps, c'est qu'il fallait que je rentre travailler, tu vois. Ah, mais tu fais plus ça maintenant. Mais... Non. Maintenant, je conduis, puis là, t'es là, tu vas trop vite. Là. Je vais même pas à 100 km, tu vas trop vite. Oui, à l'époque, on n'avait pas un bébé. Donc là, je précise, ça change tout. Quand on est dans l'auto, tu conduis toute ta famille dans la voiture. Ben oui. Tu veux tous qu'on meure? Ben c'est ça, on meurt tous, donc tout le monde s'en fout. Ça. Ah, quand je dis qu'on va tous mourir, tu me dis que ça, ce sont des raisons de con, en tout cas. Donc après, oui, on a commencé, disons, juillet.
T'es partie en France? Je suis allée en France en août, septembre, je suis revenue, octobre. Je pense en octobre, tu m'as demandé qu'est-ce qu'on attend pour s'installer ensemble. Hein? Bon, même pas qui a proposé avec c'est toi! C'est toi! C'est toi qui as proposé parce que Non, c'est toi parce que je me souviens. Après, je t'avais demandé, t'es bien sûr, parce que là, je commence à vendre mes affaires, t'es toujours sûr que tu veux que je m'installe, t'as dit oui. Ben voilà, puis là, tu t'es installé au mois de novembre, au début de novembre. Ouais. Et après ça, il y a eu une inspection. Ouais. Où j'étais un cadavre. Quand je m'installe, est-ce que tu avais déjà demandé à papa? Est-ce que tu avais déjà demandé maman à papa? Ouais, c'était quand j'étais venue pour ta fête. Pour ta fête en octobre. Putain, on allait manger au Viva. Oui, on allait manger au Viva pour ta fête. Mais tu te rappelles rien? Oui, on a pris des photos. Là. Voilà, c'est le lendemain de ça, là, le matin. Et tu te rappelles, tu as demandé à papa. Papa s'est mis à pleurer. J'espère que mon père ne va jamais regarder cette vidéo. En tout cas, lui m'a mis ce qui pleure pour tout. Tu vois, j'espère qu'il ne va pas regarder. Oh, mais... Donc, c'est ça. Après novembre, puis décembre arrivé. Puis voilà. Puis après, il y a un bébé qui est arrivé. Hein. Puis c'est ça. On s'est mariés un an après notre rencontre. Puis, qu'est-ce qu'il y a eu aussi après? Quoi? Il y a eu le corona. Qu'est-ce que... Toi, t'es heureux du corona? Non, mais c'est arrivé pareil dans notre vie. Dans la vie de bien des gens, en fait, qu'on pourrait dire. Oui. Donc... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense que ça fait le tour. Hein? Bon, on a eu une maison. Ça, quand même, en tout cas. Bon, c'est vrai, t'aimerais mieux être en appartement présentement? Non. Bon. Non. Ben, c'était plus tard, voilà. Ça fait partie de notre histoire. Ah oui, ça fait partie de notre histoire. Un peu, oui. Ok, bon. On a magasiné ensemble ici? Oui. On a choisi ensemble? Oui. Oui. Je peux quand même dire que tu as été très réactif parce que le jour où, on a où tu as trouvé celle-ci, on sortait de la visite de la maison qui a du maison potentiel, pourrie. Non? Elle était pas pourrie. Elle a dit que la maison avait du potentiel. Toi-même, l'autre jour, tu as dit que tu reconnais que la maison avait du potentiel. Je reconnais, mais si on regarde la maison comme elle était, quand on l'avait visitée, c'était pourri. Donc, à date, tu es toujours heureux d'être mariée. Je suis pas trop folle, je suis pas trop difficile. Je sais que je suis difficile. I know that I am difficile. Non, explique-leur à quel point des fois tu peux l'être, je pense que... Mais non, je suis... Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, tu vas Alexandra qui est souriante, mais moi... Mais je souris? Pas toujours. Ouais, parce que je dors pas beaucoup, je dors pas. Toi, tu sais, je vais faire comme ta collègue a dit, je vais chercher une pince comme ça, je vais te piquer la nuit comme ça quand tu dors et que moi, je peux pas dormir. C'est quelle ça? La dame au Costco, pas au Costco, au Walmart l'autre jour, la dame. La copine à mon ami. Donc, avec ça. Ses deux enfants. Ouais. C'était quand même pas mal. Donc, c'est ça. Voilà à peu près. Donc, je crois que j'entends la petite pleurer encore en bas. Anyway. Oui. Oui, non, j'ai pas dit le contraire. Fait qu'on s'en fout. Donc, tu te laisses affecter par quelque chose qui devrait. Oui, faut que tu sois. Est-ce que je peux conclure la Non, vidéo? Tu vas conclure après que j'ai dit ce que j'avais à dire. D'accord. Faut que tu apprennes un peu lâcher prise. Ça pleure des bébés. C'est toi c'est qui me dis ça. Oui. C'est toi qui me dis ça, Dominique. Oui. Toi qui me dis ça. On va conclure la vidéo. Donc, voilà, ceci conclut la vidéo hein, sur comment on s'est rencontrés et comment on se supporte à date. Donc, je reviendrai bientôt pour d'autres vidéos, pour des vlogs, puis tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois qu'on publie, non, que je publie une vidéo. Oui, je vois pas toujours rien. C'est, voilà, c'est ça. Que je publie une vidéo, ben, vous êtes tout de suite au courant. Donc, tu veux dire quelque chose? Non. Ok. Bon. Bisous. Moi, je donne pas de bisous.